La coalition pour la Nouvelle République a tenu un point de presse en présence du président Jean Ping et les membres du CNR. Une déclaration qui a tourné autour de la crise de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Gabon. La modification annoncée durcit en fait, à travers les critères de l'âge et de la mention de réussite, les conditions d'obtention des bourses pour le supérieur. La conséquence sera une restriction toujours plus grande et plus injuste du nombre d'enfants accédant à la bourse dans l'enseignement général. La coalition pour la Nouvelle République qui s'exprime ici, forte de sa cohésion réaffirmée, témoigne en ce jour de l'importance qu'elle accorde à l'analyse et au suivi de la situation qui prévaut aujourd'hui dans deux secteurs clés du pays, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Ensemble, les Gabonais doivent retenir que hier, des mesures démagogiques à visée électorale, entre autres, l'octroi à tout vent des bourses d'études ont conduit imprudemment à augmenter les charges de l'État. Et qu'aujourd'hui, une autre décision tout autant démagogique qu'inconséquente tente de mettre fin au chaos né en 2010 d'une décision présidentielle irresponsable. En dénonçant les mesures d'austérité prises par le gouvernement depuis 2015, qui n'épargnent aucune catégorie sociale, sans oublier celles concernant les bourses d'études, la coalition pour la Nouvelle République constate, pour le regretter, l'image des institutions livrées à l'errance et celle d'un navire sans cap.